L'ange numéro 17, l'Ovia. Il régit du 11 au 15 juin. Il est l'ange des révélations. Il nous aide à comprendre et interpréter les messages reçus en rêve, mais aussi à décoder les signes de la vie quotidienne. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Révélation. Faculté de compréhension intuitive. Sans analyse et sans étude. Télépathie. Connaît les mécanismes de la psyché. Agit contre les tourments et la tristesse. État permanent de joie. Ascension spirituelle. Don pour la musique, la poésie, la littérature et la philosophie transcendante, transcendantale. Haute science. Fait percevoir les grands mystères de l'univers et les lois cosmiques pendant la nuit. Révélation reçue en rêve, en songe et en méditation. Pénètre l'inconscient. Nous pouvons rectifier les distorsions humaines suivantes. Vie dans l'illusion n'est pas assez ancrée dans la réalité concrète. Ignorance, fausse perception, comportement erroné, athéisme ne tient pas ses promesses. Tourment, dépression, tristesse. Insomnie, hyperactivité. Angoisse existentielle, anxiété, décrochage, marginalité, choisie ou imposée. Prophète de malheur, esprit malsain et trompeur. Attitude hautaine, arrogance. Entêtement, mauvaise perception, problème matériel. Manque de foi, d'enthousiasme et de confiance en soi et envers les autres. Décalage entre le corps et l'esprit se perd dans l'abstrait. Science sans conscience. Difficulté
à exprimer le savoir. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Angoisse. Désordres sociaux. Dormir. Genoux. Hallucinations. Inquiétude. Insomnie. Pessimisme. Rêve. Interprétation des rêves. Tristesse. Douce pensée angélique.